Paulapalais.com. Bonjour tout le monde, jeudi c'est jeudi 1er mars 2018. C'est tout d'Haïti qui est rentré la caillou, premier sotili. Bon, puisque jeudi c'est 1er mars, c'est tout à fait pour le ta premier sotili. Samuel Dorimé a fait toute mon œuvre technique, moi-même Jean-Ismaël Valestin, moi dans le micro d'Haïti qui est de comprendre comment reste pays à lever et chaque matin, nous garder comment temps et tout, avec Madame Chrisnette en Saint-Georges, maintenant, unité hydrométéorologique pays d'Haïti. Madame Saint-Georges, bonjour. Est-ce que Madame Chrisnette Saint-Georges avec nous? Madame Georges? Madame Chrisnette Saint-Georges, maintenant, unité hydrométéorologique pays d'Haïti, pour nous garder comment conditions temps et pour jeudi 1er mars 2018 là, c'est chaque matin avec Madame Chrisnette Saint-Georges dans nos unités hydrométéorologiques pays d'Haïti. Madame Chrisnette Saint-Georges, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, là, on dit Radio Mix. Bonjour, pendant chaque. On commence ici à météo à présenter la Caraïbe sur l'Atlantique là. Je commence à gagner masse là, qui ont si gens commencé à bien stable, c'est ça qui domine les Caraïbes centrales là. Activité la pléo également tout, à bien contingent et soupillant. Sinon, chaleur journée, il fait local pour elle faciliter quelques départements, tant que département nord, grand sud-est, ça bénéficie aussi activité la pléo pour assurer à matin au lever avec un Port-au-Prince qui est son nuage qui a développé l'après-midi à assurer température il y a vacillé dans Port-au-Prince, la pluie jusqu'à 32 degrés Celsius, c'est la tombée dans l'éclat, dans une moyenne jusqu'à 19 jusqu'à 20 degrés Celsius. Possibilité tout, quelques gouttes la pluie dans quelques endroits, dans Port-au-Prince encore pour assurer. Pour l'emmener, vous allez voir pour précaution, zone cochonnante, gonfle la gonade. Surtout, nous sommes en zone côte sud, soleil en déjà levé, depuis à 6h09, il a couché à 5h51, pour le matin à 6h07. C'est là que nous mettons en bout dans le bulletin, nous mettons en aujourd'hui. Nous remercions Valistin pour l'équipe là, nous disons à Jamaica, nous souhaitons passer un bon jeudi, nous cassons rendez-vous pour demain vendredi pour notre information qui a bien pour nous faire météo. Bonne journée. Merci Madame Chrisnette Saint-Georges, non, unité hydrométéorologie pays d'Haïti qui t'a informé nous de comment conditions temps et lui-même pour jeudi 1er mars 2018 là. Rubrique d'Haïti qui a démarré dans département nord pays avec correspondant permanent et Radio Méga dans Métropole Noa, dans Cité Christophienne. Nan. N'a parlé là de Donald Jameis pendant n'a salué tout le monde qui est avec nous. Dans l'arrondissement Cap-Haïtien. Bonjour Cap-Haïtien. Bonjour Limonade. Bonjour Cathy Morin. Bonjour tout le monde qui est dans l'arrondissement Saint-Raphaël, Dondon, Renquitte, Pillon, La Victoire. Bonjour tout le monde qui est avec nous dans l'arrondissement Limbé, Balimbé. Bonjour arrondissement qui est avec nous dans Akul du Nord, Plaine du Nord, Milo, bonjour arrondissement, Pilate, Plaisance, bonjour arrondissement, Boroya, Pomago, bonjour tout le monde qui est avec nous dans le département de pays, bonjour Madeleine, bonjour Petitance, bonjour tout le monde qui est avec nous dans le Campion, bonjour Grand Boucan, bonjour Manouche, bonjour Vaudreuil, bonjour la Plaine du Nord, bonjour Dibé, bonjour la Suisse, bonjour Bras Rouge, bonjour tout le monde qui est avec nous dans Cité Lescoune, dans La Fossette, dans EPPLS, dans Banane, bonjour tout le monde qui est avec nous dans Chada, nous déjà dans Métropole Nord, pays d'Haïti, avec correspondant permanent. Radio Méga n'a parlé là de Donald Jameis qui est pour informer nous. Gen yon koupi là avec Donald Jameis, c'est lui-même qui pour informer nous comment département Nord lui-même li levé pour matin jeudi 1er mars 2018 là, notamment chef lié qui c'est ville Cap-Haïtien. Bonjour Donald. Bonjour Jean-Ismaël Valestin, bonjour tous les amis auditeurs Radio Méga FM. Mais je suis capable de même lui lever avec un bon temps, un bon climat, et ça qui permet à tous les habitants communaux de même faire librement à l'activité. Oui, Donald Jameis, dis-nous, à part des populations qui vaquent à l'activité, comment la température est liée pour matin, jeudi 1er mars là, et qui ça qui gagne comme information?
Bien que comme ça dit ça, Ismaël, vu qu'à Paris, lui-même, il levait avec un bon temps, il y a un bel soleil qui déjà a éclairé sous cette ville-là, et bien ça qui aide tout le monde à être capable de mener l'activité librement, sans problème. Ça gagne l'information, Jean-Ismaël Palestine, mais c'est hier mercredi, 28 février, aux environs 4h30, il y a une équipe agent Palais National, agent USP avec USGPN, qui est accompagné avec quelques avocats, principalement M. Claude Gasson, il était avec tout, notaire, eh bien, il a débarqué dans l'hôtel Beck. Hôtel Beck, c'est un hôtel qui trouvait lui, qui est en gros Belè, et donc dans la commune Cap-Haïtien. Bien, hôtel ça, qui c'est business. Il y a un investisseur dominicain qui portait nom Ivan Garcia. Bien, hôtel ça fermé depuis le mois octobre 2017 à cause du conflit qui a existé entre les investisseurs là avec quelques entrepreneurs dans la ville Cap-Haïtien et notamment Eddie Salomon ensemble avec John et Jérôme Gentil. Eh bien, il y a un avocat, Claude Gasson lui-même, qui accusait deux entrepreneurs capsulaires comme quoi, et dit Salomon ensemble avec Jérôme Gentil, Yotava a fait l'œuvre, a fait mettre dame pour être capable d'accaparer et bien investisseurs dominicains. Nous voulons parler de Yvonne et Garcia. On nous permet, Samuel, de écouter un bout de la déclaration de Claude Gasson. Raison fait que nous avons des Haïtiens, c'est parce que tout simplement, il y a un domaine qui est le Yvan Garcia, qui a vu en Haïti et puis il se trouve que on fait des nègres dans l'exemple. Ça pourrait être Salomon, par exemple, et puis il y a un monsieur de John Jérôme Jaté, qui est un compagnon sécuritaire, qui normalement qui a assuré cet espace-là, qui va au moins et qui décide, qui saisit l'espace-là, surtout que ce qu'on fait, qui est imposé, et bien saisit l'espace-là, et bien négocier l'espace-là avec mon autre entité. En parlant de Jérôme Jaté, c'est responsable, compagnie sécurité, super force, sécurité ça. Voilà, Jean-Ismaël Valestin, c'est Maître Claude Gasson, et même c'est avocat et investisseur dominicain Yvonne Garcia, mais qui a dirigé l'hôtel Hôtel Beck, depuis Universal Hôtel dans le Cap-Haïtien. Il y a un hôtel qui s'est mis depuis octobre 2017. Et Maître Gasson qui profite de dénoncer Zach Vandalisme, il dit. Il y a un juge de peine au Cap, M. Serge Fénélus, lui-même, qui a commettre son matériel hôtel là, jeudi passé, côté lui-même, il a fermé et il a intervenu dans l'espace à côté lui, il a saboté divers matériels. En tout cas, nous avons fait contact ensemble avec Eddie Salomon, entrepreneur Eddie Salomon, qui est dans le cas haïtien. Il dit qu'il n'a pas envie de faire commentaire sur ce ça. Il dit ni de près, ni de loin, il n'a pas envie à ouais ensemble avec les fermetures. Hôtel Beck. Et bien, entre-temps, il y a plusieurs employés hôtels-là avec quelques habitants qui sont dans la zone de l'air, et même qui ont souhaité hôtel-là lui-même, il veut l'ouvrir rapidement pour être capable de faire un travail pour continuer à répondre à différents besoins familiaux. Merci un peu, Donald Jameus, qui t'a informé nous depuis département nord pays d'Haïti. Nous tenons chef Léa, qui c'est ville Cap-Haïtien. Côté Donald Jameus, t'a parlé nous là des situations qui a développé dans Hôtel Beck, dans deuxième ville pays et d'Haïti. N'a quitté département nord pays pour nous prendre direction département nord-est pendant n'a salué tout le monde dans département nord pays. Bonjour, 82 sections communales, 19 communes, 7 arrondissements, dans département nos pays. Bonjour Cap-Haïtien, bonjour tout le monde Limonade, bonjour Cathy Morin, bonjour Milo, bonjour Plaine du Nord, bonjour Akil du Nord, bonjour Saint-Raphaël, bonjour Dondon, bonjour Ankit, bonjour La Victoire, bonjour Pillon, bonjour Grande-Rivière du Nord, Baron, bonjour tout le monde qui est avec nous dans Boy, dans Pomago, bonjour Pilate, bonjour Plaisance, bonjour Plaisance, bonjour tout le monde qui est dans le département Nord pays d'Haïti avec nous, dans le département Nord, on a quitté pour nous prendre direction département nord-est. Bonjour tout le monde qui est avec nous dans nord-est pays. Il y a 13 sections, 13 communes, 32 sections communales qui gagnent dans département nord-est pays et 3 arrondissements. Bonjour Fort Liberté, bonjour Perche, bonjour Ferrier, bonjour Capotille, bonjour Montorganisé, bonjour Caris, bonjour Valière, bonjour Montbécrochi, bonjour tout le monde Wanamet, bonjour tout le monde qui est avec nous dans 7-6 ans, Trou du Nord Caracol, n'a quitté département nord-est pays d'Haïti. Charles Amos Junior qui est encore disponible avec
avec nous puisque machine information a passé quitter la Charles Amos Junior, correspondant Radio Méga dans département nord-est pays d'Haïti. Pour qu'on y en a rentré dans département centre pays d'Haïti pendant la chale tout le monde en haut et bas plateau central. Bonjour tout le monde, bonjour Maïsad, bonjour Inch, cité Charles Maï Peralta, bonjour Serka La Sous, bonjour Serka Ravajal, bonjour tout le monde qui est avec nous dans Mi Balai, bonjour Lasca Obas, bonjour Laroy, bonjour Baptiste, bonjour tout le monde qui est avec nous dans Savanette, bonjour Beladin, nous déjà dans département centre pays d'Haïti avec correspondant permanent Radio Méga, Jean-Louis Adrien, bonjour. Bonjour Alestin, bonjour auditeur auditrice Radio Méga, on a au plateau central. Faut que nous dise Alestin, et bien c'est en pile cœur content, hein, en pile félicitations. Et Carl Joen, ancien ministre éducation nationale et formation professionnelle là, surtout dans le département centre pays là, pour question vote loi sur l'organisation, le fonctionnement et la modernisation de l'enseignement supérieur. Eh bien, faut que nous disions, c'est pas seul document ancien ministre Pierre Valeur lui-même, le culte ministre, lui était déposé au niveau du Parlement haïtien, donc il était déposé dans l'autre document tout. Et qui c'est un projet de loi portant sur la formation et professionnelle. Faut que nous dit eh bien, et deux projets de loi, ça eux-mêmes, ils ont venu directement de la part de l'ancien ministre de l'Éducation nationale à formation professionnelle, là, et Pierre Vanneur. Eh bien, faut que nous dit donc, c'est avant-hier, hein, à la Chambre basse, eh bien, loi et projet de loi par lui-même livré voté, projet de loi sage sur l'organisation, le fonctionnement et la modernisation de l'enseignement supérieur. Eh bien, faut que nous disions pour un moment pour que l'ancien ministre de l'Éducation nationale, là, Pierre Vanel lui-même, donc lui félicité tête et mon plateau central particulièrement dit finalement, je suis fier du ancien ministre pour lui faire que dans l'histoire ministère, ça, ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle. Donc, pas de jambes gagner un document, hein, pas de jambes gagner un document pour être capable de remembrer ou bien refonder le système éducatif haïtien. Eh bien, faut que nous disions, c'est grâce avec l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Pierre Arneur, qui est venu avec le document ça pour permettre à ce que le système éducatif haïtien est capable de refonder. Faut que nous disions loi ça, loi sur l'organisation, le fonctionnement et la modernisation de l'enseignement supérieur à l'Estin. Eh bien, faut que nous disions river voter à la Chambre basse, qu'on y en attend pour nous. Donc, là, qu'il river devant le Sénat de la République, là, qui s'est pas passé. Mais faut que nous disions tout. Donc, c'est pas seulement le ministre Vandepierre qui travaille sous et loi ça. Faut que nous disions qu'il y a un ancien DG et ministre ça, Denis Cadeau qui est ancien et DG ministère de l'Éducation nationale qui travaille sous projet de loi ça, tout l'organisation, le fonctionnement et la modernisation de l'enseignement supérieur. Donc, ministre éducation, ancien ministre de l'Éducation nationale, là, Pierre Vanet dit l'abtonne loi ça dans le Sénat parce que sénateur Denis Cadeau lui-même, lui, c'est président et commission et éducative dans le Sénat et d'autant plus, lui, c'est ancien directeur général ministère de l'Éducation nationale. Donc pour le député de Mirbalais, cette loi constitue une grande première dans l'histoire de l'éducation en Haïti, sans doute pendant cette dernière décennie. Donc, il faut que nous disions au central, pas jamais suspendre pas de bravo pour ancien ministre de l'Éducation nationale, la Vanne, puis pour le travail qui était fait dans la tête ministère. Ça. Donc, depuis l'histoire ministère, ça, pour le monde au central, ministre Pierre Vanne, rete comme yon n'a plus gros ministre qui passait dans la tête ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Jean-Louis Adrien au plateau pour Radio Vega. Merci Jean-Louis Adrien qui t'a informé nous depuis au plateau central, nous t'es dans ville H, cité Charles Maï Peralta avec correspondant permanent Radio Méga Jean-Louis Adrien. Bonjour tout le monde qui est avec nous dans au plateau central, n'a descendre pour aller dans bas plateau central, nous pour aller dans arrondissement Beladère, Lascaroba, Savanette, nous déjà avec Lovemon, bonjour. Bonjour Jean-Ismaël Valestin, bonjour tout auditeur et internaute Radio Méga qui dans le rubrique Tour d'Haïti. Eh bien, Babato Central levé en forme pour aujourd'hui, hein, toute activité a marché normalement.
et activité scolaire yo qui généralement déroulé bien et puis tout le monde évacué dans activité yo dans l'Afkaoubas généralement préparation yo commencé à fête pour capable généralement accueillir fête patronale fête Saint-Gabriel qui a venu là et bien puisque nous connaissons un rendez-vous chaque mois de mars et bien jeudi 1er mars 2018 là en pile préparation continue là à fête en pile réunion en fête pour voir comment ils sont capables de mettre dans l'Afkaoubas en pile activité dans occasion vraiment fête Saint Patron yo Saint Gabriel en pile citoyen dans l'Afkaoubas ils ont demandé ensemble avec Mévia ou capable vraiment qu'un des villas en fraîcheur, qu'un des villas en beauté pendant période de fête ça, c'est pas seulement pendant période de fête là, mais au mandé pour capable gagner yon l'Afkaoubas qui généralement plus belle et plus normale que ça que y a vive dans moment ça yo. Nabiladeur généralement commence à lui-même lié après installation généralement de songer mardi 27 février 2018 la nouvelle directrice médicale dans tête l'hôpital Belader là et généralement l'hôpital dans dernier moment ça yo qui a fait face avec plusieurs gros difficultés soit dans chirurgie ou bien à l'autre service qui est dans l'hôpital là et bien dans cérémonie installation à tout point ça yo t'es parlé en présence directeur départemental santé publique là et directeur départemental santé là on a parlé de Jean-Baptiste Denis Joseph et puis dans bonne installation ça a plusieurs autorités tant que sénateur Wilfried Genin député circonscription Abel Descollines avec plusieurs autres autorités qui te répondent présent dans cérémonie installation nouvelle directrice dans tête à l'hôpital Belader nouvelle directrice ça qui porte nom Annette Tanville parler ensemble avec directeur départemental Saint-Lan sous question à l'hôpital Belader la confronté dans dernier moment yo li pat écarté possibilité pour le dire pays d'Haïti gen problème et bien l'hôpital Belader la gen problème et donc li même qui allait bien loin pour le dire généralement si tu gagnes yon pi bon pays et système santé a généralement te prend en considération vrai et les comme ça non seulement l'hôpital Belader la t'a pas amélioré même j'ai avec un pile l'autre hôpital dans pays a nous pral permettre ou capable tendre yon idée comment et généralement et docteur Jean-Baptiste Denis Joseph t'a parlé dans micro non directeur départemental de la santé publique Saint-Lan. Belader est une commune de la République d'Haïti. Et nous vivons avec des problèmes, Belader des problèmes. L'hôpital Belader nous parle de façon isolée. Il fait partie de l'ensemble des problèmes qu'a posé le pays. Même j'entends, nous c'est des responsables. Nous commençons, je ne parle pas de je tiens à dire une conductrice à la tête de cet hôpital. On nous parle chita ensemble pour nous capables de doter l'hôpital là des services de base. Il faut qu'il y ait chirurgie, il faut des médecines internes, il faut des pédiatries, il faut des obstétriques gynécologiques. La population est posée. Nous avons travaillé pour lui, monsieur, et nous faisons ça avec franchise. Le député de Belader, c'est un monde qui est très engagé. Qui va jamais s'y sentir à l'ésorègne pour le voir comment il est capable et augmenter la technique de l'hôpital de Belader. Voilà, ou d'apporter déclaration généralement, et directeur départemental de santé publique là, et docteur Jean-Denis Joseph, pour Radio Méga Bablado Central, non pas M. Love. Et moi. Merci, merci Love et mon tap informé nous depuis Bas Plateau Central. Nous t'es dans arrondissement Belader, Afkaoubas, Savanette. N'a toujours été dans Haut Plateau Central avec correspondant permanent Radio Méga. Alors dans Bas Plateau Central avec correspondant Radio Méga dans Ville Mimbalè, Cité Benoît Batravilla. N'a pas là de Némi Joseph qui pourra dire nous comment Mimbalè lui-même l'y levé pour matin jeudi 1er mars 2018 là Némi Joseph lui c'est correspondant permanent Radio Méga dans ville Mimbalè cité Benoît Batravilla Némi Joseph puisque pour ce chaque soir c'est long information qui vient de nous et selon ça Némi Joseph dit nous correspondant nous chez Radio Méga dans ville Mimbalè c'est presque chaque soir et cartouche pas suspend tiré dans ville Mimbalè nous déjà avec correspondant nous Némi Joseph Némi bonjour. Bonjour Val, bonjour tout le monde, bonjour avec Silayo qui a même branché le tour d'Haïti, Radio ça, Google Radio, Radio Méga, nous pas négliger pour nous saluer Radio
à Bourg-Vision, 101.9, depuis par plateau central, qui couvrit tout le département, y compris l'autre département, yo. Ça cap dominé actualité, qui t'aime d'où rapidement Valestin, yon par plateau, qui levé matin, un bel soleil, en pile monde, prend chemin travail, en pile monde, prend activité, sauf que, moun kap travay nan Ofatma matin nou leve nan ville Mirbalet du Ofatma enflamé kaoutchou a brûlé tout nan la cour tout deyo a et yo fermé porte la yo passé nan deyèl c'est des moun non identifié et nan porte Ofatma tout nan mu clôture Ofatma ki nan Mirbalet yo marqué moun nan zone nan besoin travail moun nan zone nan gen bouche fann yo rele a ba karavan yo marqué on se slogan sa ou ki écrit nan porte Ofatma nan moment n'a parlé là employé Ofatma yo marqué devant yo pa ka rentré nan local là puisque yo passé kadna yo fermé li donc c'est un groupe moun pièces moun pas identifié c'est incident ça qui passé selon moun nan zone nan m'était parlé avec yo yo dit que yo fait nous connaître c'est depuis à 2-3 heures du matin moun yo vinn mettre du feu dans la cour tout devant Ofatma de Mirbalet. Est-ce que ça veut dire c'est un mouvement qui va annoncer dans tout l'autre bureau l'état yo? En tout cas nous même nous là n'attend il n'est que d'attendre nous même comme journaliste. Donc cartouche qui par exemple qui sont tirés dans commune ça vinn laguer en pile Perez la caille chaque moun qui nan mis en balai EDH par exemple suspend manquer mon sodo dégâts donc il gagne Dieu juste avec mis en balai qui prend bien ça pour bien grand yo n'a parlé de EDH électricité d'Haïti qui lagué en chancan qui lagué en désordre dans pas plateau central puisque Dieu juste avec mis en balai prend EDH pour bien maman yo ak papa yo c'est tout ça on nous gagne cap dominer actualité en pas plateau central Néhémie Joseph Radio Méga. Merci Néhémie Joseph qui t'a informé nous depuis bas plateau central Nouté dans ville Mirbalet avec Néhémie Joseph cité Benoît Batraville. Néhémie Joseph qui t'a informé nous là nous pas prendre mon cabrite jodi a n'a passé pendant pour aller sortir dans la vallée la Tibonite n'a passé par Verette puisque des Mirbalet pour nous rentrer dans ville Saint-Marc. Côté nous pour aller rejoindre correspondant permanent nous là dans ville Saint-Marc n'a pas là de Nelson Joseph. Bonjour tout le monde qui est avec nous dans département Atibonite, Ro et Ba Atibonite. Bonjour Gonaïve, bonjour Henry, bonjour Mamlad, bonjour tout le monde qui est avec nous dans Saint-Michel de la Talaye. Bonjour Dejin, bonjour Gad Saline. Bonjour tout le monde qui est avec nous dans Liancourt, bonjour Saint-Marc, bonjour tout le monde qui est avec nous dans Desam, bonjour tout le monde qui est avec nous dans Verrette Liancourt, nous dans département Atibonite, notamment dans bas Atibonite, correspondant permanent Radio Méga Nelson Joseph qui fait nous et connaît gain plusieurs là souvelé et jeune là jeune femme et jeune garçon qui intégré Barou et Saint-Marc. Non, pendant week-end ça, voilà, pendant semaine ça même, qu'on rivait prêter serment, yo 18 jeunes femmes et jeunes garçons qui prêtaient, qui rivaient intégrer Barreau et Saint-Marc, selon sa correspondance nous, dans ville Saint-Marc, né, alors Nelson Joseph Fenn, connaît ces 18 jeunes femmes, 18 jeunes garçons mêlés à femmes qui rivaient prêter serment comme avocat, stagiaire dans tribunal première instance dans Saint-Marc, bâtonnier l'ordre avocat dans Saint-Marc là, mettant chez Snell fils, l'ouvrit encourager futur avocat yo pour respecter sa décret loi 29 mars 1979 l'a dit sous fonctionnement profession avocat. Nelson Joseph, c'est correspondant Radio Méga dans ville Saint-Marc. Suite à un concours que Barreau Saint-Marc a organisé dans le commencement mois de février, 18 avocats stagiaires sous 23 arrivés prêter serment dans le tribunal première instance Saint-Marc, mardi 27 février 2018. Là, bâtonnier l'ordre avocat Saint-Marc, maître Chesnel fils Lovine, en propos circonstances, encourager futur avocat pour respecter décret loi 29 mars 1979 là, qui t'a déjà tracé une route bayo avant yon vignon avocat accompli. Chers récipiendaires, le serment que vous venez de prêter aujourd'hui fait de vous un avocat stagiaire. Vous n'êtes pas encore un avocat accompli. Vous êtes un avocat, vous êtes des avocats stagiaires.
pour votre stage. Vous faites partie de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Marc. Mais sachez que vous êtes encore des postulants. Comme stagiaire, vous devez respecter scrupuleusement les articles 21 à 29 du décret du 29 mars 1979. Maître Lovic, combien de temps avocat stagiaire c'est bien pour passer dans stage et qui côté y a bien pour faire? Le travail pendant un an au moins, soit dans un cabinet d'avocat, soit dans une étude de notaire, soit au greffe ou au paquet des cours et des tribunaux. Voilà en quelque sorte, cher récipiendaire, un peu de vos obligations comme stagiaire. Il est important pour nous signaler, malgré critique passée par le système judiciaire à faire face journée aujourd'hui, nous avons constaté un engouement la CAIJENIO dans tout le pays pour arriver à intégrer le système judiciaire qui lui-même déjà sous branca. Nelson Joseph depuis Saint-Marc, Radio Méga. Merci Nelson Joseph qui t'a informé nous depuis Ville Saint-Marc. Nous tenons bas à Tibonite. Bonne salée tout le monde Fresino. Bonjour tout le monde Pierre Payen. Bonjour tout le monde qui est avec nous. Mori. Bonjour Casal. Nous rentrons dans le département l'Ouest. Pendant que nous saluons tout le monde Williamson. Bonjour Tirobi. Bonjour tout le monde qui est avec nous dans Caries. Caries, c'est l'eau pour un bateau pour aller Lagonave. Bonjour Lagonave dans le département l'Ouest. Bonjour Preta Raquette. Bonjour Ansagale. Bonjour tout le monde qui avec nous dans Akaye Cabaret. Bonjour tout le monde qui est avec nous Titanien. Bonjour tout le monde qui est avec nous sur route 9 là. On prend direction région des Palmes pour nous rejoindre Marie Michel José pour Adèle région des Palmes qui constitue des trois communes. On parle là de Tigouave, Grand Gouave, Léogane et nous déjà dans cité Foster sous le clavier avec correspondant permanent Radio Méga dans ville Tigouave. Marie Michel José pour Adèle, bonjour. Bonjour Valestin, bonjour tous auditeurs à auditeurs Radio Méga. Matin, tu dois lever avec bonjour soleil, circulation à fête normalement. Porte l'école l'ouvrit tant coup. Porte bureau privé, coup public l'ouvrit. Mais faut nous dire que hier, tu gagnes une grosse tension dans commune Tigouave côté élève lycée. C'est parcouru diverses dans ville là. Pour yo, et yo te rive fermé plusieurs portes l'école privée tant que l'école l'état et grand pile collège qui t'a accompagné élève lycée dans manifestation que yo t'a fait parce que yo t'a manifesté pour te demander l'état pour le payer professeur que yo droit arriérer salaire et nommer professeur qui travaille depuis quelques années qui pour que j'aime qu'a nommé. Ça t'est arrivé en situation, ça t'est venu déboucher sur une situation qui t'a pris vraiment et triste côté que élève lycéo t'est allé devant la devant DGI à pour t'a fait n'importe lui mais c'est là où t'a banqué bap pour bap avec la police et la police t'a dit non élève t'a dit oui là t'est venu gain on parle en pile côté parle en pile ça la police t'est menacée pour le bail gaz et les vieux t'es gantan retirer koyo yo fait direction pour aller dans sur route nationale là dans traverser route dans découper route pour arriver sur route nationale yo t'est vini banqué sur la police agent Hud Moyo dans rue des Salines et ça t'a pral causer une situation qui pral ontijan meté onti chauffer dans bagaille là côté que la police agent Hud Moyo s'est arrêté trois élèves deux élèves collège Yves et Lamartine un élève lycée à Fefilo qui c'est Avril Nelson ça t'est vienne fait que Tigouave connaît un petit temps de tension pendant 3 à 4 heures de temps côté élève Léo descend dans commissariat avec élève Sayo yo a le temps de faire juste de pétendre yo et ben ça t'est vienne fait que la police t'est vienne approche voir plusieurs coups trois chaque coup de bouteille en dedans commissariat parce que élève yo te dit yo pas arrêter élève yo parce que ça y a demandé à lui juste yo c'est élève même Jacques tout élève yo droit joindre et coup même Jacques avec toute l'autre école yo et après trois bons aidants la police avec la justice t'a posé tu monsieur ça élève ça yo question ben en pile personnalité dans ville là c'est arrivé faire déplacement pour te aller en bas pour te descendre dans commissariat pour te connaître ça qui t'est passé et député ville là
Germain fils Alexandre, lui-même lui était fait quelques coups de fil dans le commissariat à tout parce qu'il pas sous place Tigouave pour lui demander qui ça gagne dans Tigouave ça qu'a passé, il était tendé que arrêté élève, mais il était arrivé mandé par la commissaire, par la juge de paix et mandé pour libérer élève ça yo. Ben c'est comme ça après vers 3h pour 3h et demi élève ça était arrivé joindre libération, mais pour matin là tout bagage est rentré dans l'autre jour, dans quasi très calme, mais nous pas connait qui ça élève a décidé parce que yo dit yo même revendication pa yo li pou ko rive c'est payer professeur yo pour et puis nommer yo pour yo capable bien faire coup. Nous va suivre comment ça à pied et n'a informer population comment ça à pied. Marie Michel José Pradel, Radio Mega. Merci Marie Michel José Pradel qui t'a informé nous depuis ville Tigouave. Nous tenons cité Faustin Soulouk là avec Marie Michel José Pradel. N'a cassé tête tout nain pour aller dans Jacques Mel. Bonjour tout le monde qui avec nous dans Tigouave. Bonjour Léogan, bonjour et Grand Gouave. N'a prend direction département sud-est pays d'Haïti pendant n'a cassé tête tourné, nous déjà arrivé dans Kafou et Tifou pour nous rentrer dans le département sud-est pays. Bonjour Jacques Mel, bonjour tout le monde qui avec nous dans Bénin, bonjour Tiot, bonjour Marigo, bonjour Grand Gosier, bonjour Belance, bonjour Ansapit, bonjour Côte de Fer, bonjour la vallée de Jacques Mel, bonjour Kay Jacques Mel, bonjour Coqchante, bonjour la montagne, bonjour Mabial, bonjour tout le monde qui avec nous dans Séguin, nous déjà dans le département sud-est pays. La Kay, animal politique, la bête politique, la Joseph Lambert, Fabrice Antoine, bonjour. Bonjour Jean-Yves Valestin, bonjour tout auditeur auditrice Radio Mégayo. Un grand plaisir chaque matin. Donc je vous remercie pour être connecté avec vous à travers tout Haïti pour nous capables d'informer sur ce qui vient avec l'information dans le département sud-est. Particulièrement, nous toujours trouvés dans la commune Jacques Mel. Mais Jean-Yves Valestin, dossier a été dominé par la question éducation. Gagné plateforme enseignant dans le sud-est, même qui et après déclenchement grève que vous déclenchez depuis lundi qui s'est passé, hein? Mais déclenchement grève ça c'est juste pour continuer demander ministère de l'éducation nationale lui-même pour capable répondre avec rabdi et revendication et professeurs qui c'est meilleures conditions de travail par rapport avec ça a été pour mettre par rapport avec question ticket qui a été pour mettre tout et puis avec ajustement de salaire que et professeurs même a demandé pour que nous dit mouvement grève ça selon responsable AIJ, responsable et plateforme syndicat ancien sud-est qui c'est Jean-Marc Maslin, il y a un mouvement grève qui paralysait et l'école là n'est capable dit et l'école publique surtout à 40% dans le département puisque professeur eux-mêmes yo presque pas fin faire cours même si yo t'a passé dans l'établissement mais yo respecté mouvement grève là ben responsable AIJ qui c'est Jean-Marc Maslin qui c'est actuel directeur lycée Péchina lui-même les plaidés pour le ministère lui-même continuent tant des cris professeurs qui pas gain et bon moyen pour fonctionner et parler des ajustements de salaire qui doit faire que y a demandé depuis bien longtemps que le ministère a toujours dit ça fait mais jusqu'à présent pour gain qu'une réponse qui baille ben il a demandé pour le ministère de l'éducation nationale tant des cris pour répondre avec revendications ça qui c'est principalement ajustement de salaire et puis ensuite un petit cas de promettre qui jusqu'à présent qui pour caractériser une amélioration ben professeur Sayo on va dire ensemble syndicat Sayo dit il a continué mobiliser jusqu'à ce que ben ministère de l'éducation nationale lui-même lui tant des cris lui répondre et c'est avec satisfaction qui c'est ajustement de salaire ensuite petit cas il était promettre voilà. Ensemble information depuis Jacques Mel et pour Radio Méga. Merci Fabrice Antoine qui t'a informé nous depuis Jacques Mel, nous t'es dans le département sud-est pays d'Haïti. Fabrice Antoine, c'est correspondant permanent Radio Méga dans cité Alcibiade pour Miracle. Nous t'es dans ville Jacques Mel avec Fabrice Antoine n'a quitté département sud-est pays d'Haïti pour nous prendre direction là département sud n'a passé par Côte de Fer. Bonjour Fond des Blancs, bonjour Cavaillon, bonjour Aquin, bonjour Saint-Louis du Sud, bonjour tout le monde qui avec nous dans Tiburon, bonjour Port-à-Piment. Bonjour Anike, bonjour Saint-Jean du Sud, bonjour tout le monde qui est avec nous dans Port-Sali, bonjour Tobek, bonjour Chantal, bonjour tout le monde qui est avec nous dans Campé-Rémanich, bonjour Okai, bonjour Okai, bonjour tout le monde qui est avec nous dans Chadonnière, Rochabato, bonjour tout le monde qui est avec nous dans Ilavache, nous déjà dans le département sud du pays d'Haïti avec correspondant permanent Radio Méga, John Filosca. Bonjour John. Bonjour Valestin, bonjour tout auditeur, auditrice Radio Méga qui a écouté pour matin. Comme tout le monde connaît, nous, au niveau du département sud-là, plus précisément, dans la troisième ville pays en Okaï, c'est commentant hier matin, bien que Gendel Niage Valestin qui est au niveau de celle-là, mais quand même, nous sommes capables de dire que le soleil là qui blague le département.
élèves yo en pile là dans là déjà là et gagner ça la déclaration machin yo a préparé yo là pour y a vaquer à activité commerciale yo circulation pour pas machine moto a fait monter descendre yo correctement ce qui a trait information yo et Valestin est capable dit hier mercredi 28 février 2018 là mes principal Jean-Gabriel Fortini ba une grosse conférence de presse dans un restaurant au niveau du département et précisément dans la troisième ville pays côté que et liba est capable dit et conférence de presse ça et Valestin devant en plus passé une vingtaine de journalistes te gain journaliste local national et même international qui était présent dans occasion et bien là monsieur a été fait plus passer et capable dire en dire environ plutôt une heure de temps à parler et valer et bien il te baille conférence ça c'est sous forme un bilan qui li baille valestin li parler pendant 19 mois li déjà gain dans mairie au cas qui ça li déjà fait et qui ça li gain en perspective pour le faire année ça et puis tout lui te parlé tout de question rapport plutôt caribé tout ça madame de perspective pour Anissa, elle parlait d'un pile bagaille et que lui même nous peut le faire, elle parlait de et pendant 19 mois ça dans Mairia, il parlait de une série d'études que il déjà fait pour on capable dire commune locale, il parlait d'études déjà fait pour entrer ville locale surtout bon côté 500 ans lui même l'ITA, il parlait de plage l'île qu'il va réaménager, lui parlait on capable dire terrain qui coûte non terrain cage à nos côtés qui et gain plaisir institution qui parle la patrie qui peut aller dans zone ça autant comme institution ONA, il parlait tout de mairie au cas qui va construire dans zone Carjano ça et puis il parlait de on bonne note activité qui va gagner au niveau villa, il parlait de un gaoutier qui va gagner dans ville local et mais initiative ça apprend pendant cette année Valestin et puis tout il parlait de une question d'un brigade qui va monter au niveau villa pour aller et travailler deux concerts avec un capable dit et représentant Mirio, un capable dit employé Mirio pour capable ramasser quantité fatra qui vient au niveau ville locale. Il parlait d'une brigade qu'il va mettre sous pied pour ça. Là, conférence ça mes principal local là Valestin, il parlait des trois agents ruraux pour le mettre par section communale. Il me dit il fait connaître chaque section communale qui gagne au niveau au commune locale, il pourra mettre trois agents dans chaque section communale d'une façon ou d'une autre pour garder qui j'ai au cabay monde qui vivent dans section communale au sécurité, il parle aider et activité ça va mettre sous pied là dans deux prochains mois qui viennent ça veut dire chaque section communale Valestin va gagner trois agents ruraux là-dedans. Il te parle tout des polices municipales là, Valestin, il parlait des polices municipales. Malgré le directeur général de la police a fait croire qu'il n'y a pas de police municipale ni parlementaire, eh bien, Gabriel dit, et Gabriel Fortuné Marissa Okala dit, ça c'est parole pas directeur, eh bien, lui-même n'est pas en mettre pas là sous pied. Non seulement le mettre sous pied Valestin, il a renforcé la police municipale là. Il dit que d'ici 2-3 mois, il a renforcé et pour la ville locale, sécurité et section communale correctement. Ça veut dire que si ça ne se fait pas, nous sommes capables de dire, et le directeur général là, lui-même l'a continué avec les affaires police municipale là. Il te parlait d'un pile de dossier, Valestin, que lui-même dans la ville là, et déclaration de Valestin qui était intéressé en pile monde, c'est que Gabriel Fortuné Marissa Okai l'a fait connaître. Pendant 19 mois, il est passé dans cette mairie Okai, il fait travail. Et 19 ans passé déjà à yo, il fait plus de travail passé 19 ans passé déjà à yo dans 19 mois gagné dans mairie au Caï. Ça veut dire, monsieur a fait connaître tellement de travail Valestin, dans 19 mois, il fait travail qui vaut plus passé 19 ans que se passé dans dirigeant qui dirigeait mairie au Caï. C'est une déclaration, ça, monsieur Abay. Et puis, il continue pour parler, Valestin, mais il est allé sur le plan national pour lui parler des questions du président républicain Jovenel Moïse. Et c'est tout déclaration qui est fait. Il parlait de plusieurs rapports, il parlait de rapports plutôt caribéens, il parlait des rapports CIRH, il parlait des rapports Paul Denis. Rapport Paul Denis, son rapport qui fait tout, l'élection face à Valas, suggestion, famille Lavalas au niveau pouvoir, il parlait des rapports CIRH, après tremblement de terre là. Il parlait des rapports plutôt caribéens à Valestin, il souhaitait Jovenel Moïse, président de la République, là, mais sous commission de vérité, c'est comme ça. Il t'a souhaité commission ça relé une commission de vérité pour faire lumière sur rapport Petro Caribéa.
Et puis il dit pas ce rapport ça pour président faire lumière sur lui, supposé faire rapport, il supposé faire lumière sur rapport nous capable dire c'est là ça avec rapport nous capable dire rapport Paul Denis. Ça veut dire trois rapports ça yo, il fait Gabriel Fortuné fait connait pas supposé passer inaperçu en dans pays. Et puis tout, il te poser la question des affaires Chili Brésil, il t'a encouragé mon pour y aller, il dit qu'il toujours camper ferme sous décision la liste. Avait dit il n'y a pas d'histoire vraiment vrai, il fait connaître pas ça que l'État, il t'a encouragé des mounio mettre continuer prendre pays Chili parce que le pays a pas trop bon, pays a pas trop bon, ça fait dans sens ça, il a fait ses déclarations et il a demandé lui tout valser la conférence de presse ça. Et est-ce que c'est pas une façon que l'a cherché pour retirer col en bas votre Jovenel Moïse elle fait genre de déclaration ça yo. Et bien il faut il te répondre valser pour dire que les papes jamais, les pas en face Jovenel et les papes jamais en face Jovenel Moïse. Merci, John. Donc, il y a des bagailles, les supposés faits corrects, mais il dit que les pas en face Jovenel Moïse, les papes jamais en face Jovenel Moïse. C'est une déclaration ça, où les bails, ils sont capables de dire dans l'occasion, conférence de presse. En gros, Valestin, c'est ça, nous, Baou, en termes, ils sont capables de dire et résumer conférence ça, Jean-Gabriel Fortuné, Marie-Jean Ocalal, les bails, c'était hier au mercredi. 28 février 2018. C'était Philo Stadion au niveau département citoyen, plus particulièrement au CAI pour Radio Méga. Merci John Philoska qui t'a informé nous depuis département sud pays d'Haïti. Nous t'es avec John Philoska nan et chef Lia Ville au CAI qui t'a parlé nous là de conférence de presse que Jean-Gabriel Fortuné lui-même li bay hier mercredi 28 février 2018 là nous déjà dans département grand dans ce pays là nous très à cheval puisque l'air censé abattre nous sérieusement avec Mackinson Charles. Mackinson, bonjour. Bonjour Alistair, bonjour tout auditeur Radio Méga qui a perdu nous un peu partout à travers le monde. Mackinson, capable de température tout bagaille normal et puis pour aller rapidement parce que nous elle après aller. Donc, on connaît qu'il y a une question, problème gaz. Eh bien, justement, pour recevoir gaz hier, malgré qu'il y a un peu de monde qui était déjà fait diligence pour aller voter gaz au CAI, pour une demande à un prix exagéré au niveau de la ville, mais heureusement, pompe lui-même est déjà approvisionné un gaz dans pompe pour jouer un jour d'hier. Et puis, qui est une population dans commune d'Amarie chez Télécampé pendant toute semaine là pour capable revendiquer projet pour faire route Bolaméa qui maintenant est en Zeno les Yoa Carcas. Alors et puis il y a des tout pour capable réhabiliter adoqué qui au niveau ville d'Amarie qui dit il y a un projet qui a fait dans deuxième section en Zeno et pour ça ils ont empêché en plus fois pour camion qui pral dans projet ça river passer. Et puis, qui te disou, même moun à pied pas privé passé avant hier, dans zone ça, et zone ça t'es vraiment déconnecté. D'après te suivre information ça concernant évolution li, dans commune d'Amarie, et pour être capable de partager avec auditeur Radio Mégayo. Merci, Mackinson Charles, qui t'a informé nous depuis département grand dans ce pays et d'Haïti qui t'a informé nous là mais des situations qui t'a censé retourner normal li dans département grand dans l'an côté pompe essentielle commencer à approvisionner en carburant sous le comme ça. OK, bon, c'est avec Mackinson Charles Medeon Bout mais maintenant on a pas le faux exercice là avec Mathieu Frisman. Li c'est un dirigeant dans Combit Nord son organisation qui investit dans sa développement dans agriculture puisque nous connaissons ça chaque matin avec nous dans Ubuntu d'Haïti à parler avec un dirigeant pour connaître comment ça est. Mathieu Fisman, bonjour, son plaisir pour avec nous sur antenne Radio Méga. Bonjour Ismaël, bonjour fidèle auditeur Radio Méga. C'est un plaisir pour nous capables avec vous, matin Ismaël. Merci parce que vous êtes disponible pour nous, Mathieu Frisman. Nous allons aller vraiment à cheval avec vous, matin, Mathieu, puisque nous vraiment pas de temps devant nous pour nous parler. Dis-nous, comment est ta santé Combit Nord? Bon, et Ismaël, nous en forme, nous avons mais juste avant, nous pas capables de parler pays. Hein?
ça coûte nous, 19 communes département Nord. Nous pas capable d'aller tout le monde qui est dans la diaspora, parce que nous connaissons Radio Mega, c'est un radio international, qui est engagé dans une bataille pour le pays. Nous saluons Nelson, tout, qui nous vient sous bord d'Aïmaël. Oui, c'est effectivement. Dis-nous comment est ta santé, combien de noyés, qui s'en a réglé, qui s'en a en perspective. Dis-nous qui s'en a fait, puisque nous connaissons son organisation qui visait développement département. Bon, effectivement, Ismaël, dans le moment là, côté nous a parlé avant là, nous gagnons un pile projet dans le département pour permettre à ce que nous capables et rendre le département un département qui connaît salé dans le temps, parce que nous connaissons le département Nord, qui est grenier Nord. Ben, je vous le dis, l'en garder nous-mêmes complètement, nous faut constater nos départements lui-même. Les finis, et il y en a la règle qui a fait dans ce moment-là qui force nous que, ouais, comment non seulement nous avons des plaidoyers qui a fait et pour que planter, et non seulement nous-mêmes nous avons des projets pour permettre à ce que, par exemple, nous avons environ 8 communes qui l'ont. Là, nous avons des projets durables et des projets économiques. Que n'a fait dans le moment que nous avons parlé là. Dans qui axe d'intervention, vous parlez des projets durables économiques. C'est vrai, nous connaissons une organisation qui plus travaille avec paysans, Combit Nord, qui vise le développement. Et axe dans quel domaine, nous comptons essayer projet pilote, n'a lancé projet sanien dans le département Nord. Dans quel domaine? Bon, il y a force nos camarades, comme vous connaissez Combit Nord, c'est agriculture, qui force nous. Et projet nous, c'est projet de poulaille. Mm-hmm. Par exemple, nous avons une commune de Saint-Raphaël, et puis nous avons une commune de Plaisance, nous avons une petite anse, nous avons une limonade, et nous servons des quatre communes comme pilotes pour que nous capables de développer, parce que nous connaissons l'emballage de poulaille, c'est toujours. Donc, branche dans l'agriculture, parce que c'est là nous, notre bataille pour permettre à ce département Nord lui-même salé dans les temps pour nous retourner à elle dans l'autre dynamique, dans la modernité et dans la fraternité. Et nous avons une commune à Cure du Nord. Nous avons un côté qui nous installé moulin d'Iri et pour moulin maïs. Nous gagnons dans l'Inde, nous avons installé moulin cassav, ça veut dire camarades. Nous travaillons, nous bataillons pour mettre à pied. Nous avons l'autre département, nous avons l'autre Haïti, nous avons l'autre pays. Dans l'amour, dans la fraternité. Alors, est-ce que projet ça, il y a un coup déjà dans la communauté là, on parlait des projets poulailler, moulin cassave, moulin moulin d'Iri, dans l'imbé, dans l'Akul du Nord, est-ce qu'il y a un coup déjà ou bien c'est des bagailles naptan? Non, c'est des projets qui en cours. Mm-hmm. Et ça veut dire, dans le même type de projet ça, on l'aime regarder. Et petit dans l'un des gardes au Dicap, par exemple, qui est une section communale dans la ville capaïtienne, je pense que l'un des gardes dans l'état salubrité section, je pense que déjà dès samedi prochain, nous avons déjà gagné un assainissement et nous avons assaini la section du côté de 5 kilomètres jusqu'à ce que nous arrivions dans une cache là, parce que nous connaissons les gens qui vivent même côté avec la boue, les gens qui vivent même côté avec Fatra, et nous connaissons les gens qui sont conséquences, qui sont capables de faire sentir son environnement. Je pense que les camarades, c'est des projets qui en cours, nous continuons notre travail jusqu'à ce que nous rendons le département Nord plus belle que jamais. Alors, nous pour finir, Mathieu Fussman, dis-nous, dans combien de communes et Combit Nord est en ligne, c'est vrai, les Combit Nord, et combien de représentants tout nous gagnons par commune dans le département Nord pays? Je pense que les camarades, on va faire une date où c'est même dans le commencement, Combit Nord lui-même, depuis 3 avril 2009, en termes de présentation, et Libre Mission, c'est un groupe jeune femme avec jeunes garçons qui sont conscients des problèmes pays, parce que nous-mêmes, nous sommes capables d'identifier des vrais problèmes qui communauté même la confronter, parce que nous avons un pays qui est malade dans toute zone, dans tout compartiment, mais c'est ça que fait nous-mêmes compétition. Non seulement nous poser des problèmes et nous adresser des vrais problèmes, non seulement nous proposer des solutions à département Nord, à PIA. Normalement,
nous gagnons, nous trouvons dans 19 communes du département Nord et nous avons 45 coordinations à travers le département du Nord. Ça veut dire, capable, si nous avons 19 communes, nous avons 45 coordinations, ça veut dire nous même trouvons nous dans la même section communale. Par exemple, dans la section communale Sankou-Kan-Louise, qui est la commune latine du Nord, Sankou, une section communale Sankou-Saniago, Bouya-Rapoussin-Raphaël, une section communale Sankou-Postage, tout don, ça veut dire qu'on a compris comment l'aime pas l'idée, ça pour Gober et Pilate, sans qu'on nous gagne ça, ça y est, sans pour Gober, ça pas ici, qui tout le matin dans la, par exemple, petit sans bon comité, ça veut dire qu'on a compris comment nous étant nous sous 19 communes et 82 sections communales qui pouvaient à travers le département Nord. Donc ça veut dire et Combitnon c'est une structure et qu'a bougé, c'est pour une structure et gens ont pile l'autre organisation bidon en d'un pays, donc son structure qu'a bougé. Camarade, je pense que vous même c'est un monde qui même sous pas contre Combit là et net mais ah, au moins avant mesdames de dans Combit là. Non, pas méthode non parce que pour quitter nous dans le département ou là quitter mon cher là avec nous et nous tendez chaque jour et c'est comme qui porte au prince. Oui, ça me connaît ça mais et normalement complètement nous même yon n'a pas été tout camarade, c'est unique organisation qui a une émission de radio qui fait chaque samedi matin. Okay. Non seulement pour nous sensibiliser, pour motiver la population, pour informer et pour former comment le monde doit vivre, vous comprenez, parce que yon pays pas d'éducation qui a marché là-dedans, qui pas de la santé, qui pas de l'agriculture, même besoin naturel qui n'a pas de jour et jour, ça veut dire camarade, et si ne pas paraître, n'a pas disparaître, parce que c'est raison d'être complètement à ça dans le département, c'est attaquer de vrais problèmes que le département n'a pas exemple camarade. L'engagement dans le pays a un problème d'éducation. Oui. Je ne joue pas, camarade, il y a de graves problèmes qui passent dans le département. Mm-hmm. Environ, depuis le mois de novembre, dans pile l'école nationaliste qui n'a pas fonctionné dans le pays. Et bien, nous, même quand on dit, ça y est, c'est prêt pour nous. L'engagement des questions de paysans, camarades. Je ne joue pas, il y a une commune, dans la commune Saint-Raphaël qui. Qui était représenté dans le temps, parce qu'on dit dans le temps, parce que je ne dis pas, c'est pas vrai, comme grenier noir, une chose qui paysan fin décapitalisé, l'engagé bac qui était bio agricole communal, yo, pas un yé cap fait, l'État va accompagner paysan yo, ni dans formation, ni dans semence, ni dans rien, ça veut dire que nous, au groupe citoyen, nous avons des paysans qui l'aient cap fin décapitalisé chaque jour et n'a pas demandé si l'État va dire un mot, si pas pour intervention qui fait pressé, et bien les paysans ça ont mouru, et bien c'est assez blanche pour le mettre sous matelot. Nous avons dans quelles conditions marché nous y aller dans le département Nord. Nous avons parlé Mathieu Frisman, mais les associés arrivés sous nous, n'a pas planifié pour nous garder et comment nous parler avec vous. Puis plus, dans l'autre émission, Mathieu Frisman, puisque nous avons des bagages pour dire, puisque nous connaissons combien lui est concerné, lui sensible, lui est très sensible par rapport à ce qui a passé dans le département Nord. C'est une structure, nous capable de dire, qui baille tête lui comme défenseur et population Nord. Dans l'autre émission, nous avons planifié avec vous, Mathieu Frisman, pour nous être capable de dire plus. Merci en pile. C'est un plaisir, camarade, c'est moi qui vous remercie. Voilà, nous t'avons parlé là, nous t'avons cap ici avec Mathieu Frisman, c'est porte-parole Combit Nord dans le département de pays. Il y a une structure qui vraiment est fort, puisque moi fait expérience avec yo déjà dans le département de pays. Nous conscients de ça au café, nous reconnaissons Frosio sous terre. C'est vrai, il y a un pilote, mais c'est des organisations qui là qui pas bouger, regardez, yo même là ouais, il a cherché rentrer quoi non paquet activité pour yo aider et population Nord créer activité et yo nous fait notre expérience que nous fait avec yo, c'est pour organisation nous capable dit cap chercher l'argent non,
mais nous qu'on importance puisque les côtés arrivés étaient capables faibli mais par l'argent qu'a mené c'est ouais département noir prend l'autre dimension si ouais changement réel département au pays a et c'est ça que fait ouais you buy tête you investi non agriculture c'est même gens étaient capables parler de fait champ champ agriculture non alors le nouveau Mathieu Frisman a dit camarade c'est une habitude de qui sorti depuis au cap haïtien pile nèg en pile femme au cap ou carrelo camarade merci tout le monde non pas monsieur Jean Ismaël Valestin pour te présenter au bout tout d'Haïti Samuel Dorimet a fait toute manœuvre technique yo retrouve demain matin pour l'autre sortie tout d'Haïti bye bye Paul la palais.com.